police m'a monté. On veut me buter. Je vous amène de la sélection, puis vous me faites du jus de gland. Faut quand même être con. Râle pas, je vais t'en faire un autre. Si c'est votre cafetière qui marche pas, achetez-en une autre. Si c'est le personnel, virez-le. Pas de Borgia à l'office. Dis donc, il a l'air gracieux, ton pote. Ah, Charles, t'as fait part de mes conditions à tes amis? Éric Masson, je suis positivement enchanté. Moi aussi, tout le monde est enchanté. Alors, ben c'est fait. Seulement, comment dire, mes amis trouvent la note un peu salée. Quoi? Ne trouvez-vous pas un peu excessif de prendre 50% à vous seul? Ah, messieurs, mettons-nous bien d'accord une fois pour toutes. Je n'ai pas l'habitude d'apporter mon concours dans les fêtes de charité. J'ai des exigences, vous êtes libre de les accepter ou non. Mais si vous acceptez, mettez-vous bien dans la tête que mon pourcentage ne sera remis en question à aucun moment de l'opération. J'en fais une question de principe. J'ai un excellent avion qui part sur le coup de midi, il ne me faut pas plus de 10 minutes pour faire mes valises. Mais Maître Lucas n'a pas voulu dire ça. Ni ça, ni autre chose, j'ai horreur des pousse-mégots. Alors, nous sommes d'accord? Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile.